sun lay so brightly up in the summer sky. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, gros bonjour. Bon ben voilà le nouveau départ encore. Ça y est. Tout marche. Donc là, on redescend vers l'Hérault. Bon, on va pas s'y arrêter. Je pense qu'on va aller du côté de Cruissant. Cruissant plage à côté de Narbonne. Là on va vous montrer quelque chose là-bas. Là qu'on connaît. Là où ils ont fait le film 37.2. Voilà. Et en fait, là, le souci qu'on avait au convertisseur chargeur, en fait, il y avait un pontage qui ne faisait pas bien connexion. Donc, c'était ça le souci, c'est arrivé en même temps qu'on s'est branché. Donc, ça a été coïncidence, mais ça a été galère pour le trouver. Donc, ils ont appelé Vitron. Et par téléphone et tout, ils ont tout détaillé, ils ont envoyé des photos. Et bon, ils ont trouvé, quoi. Voilà, c'était. C'est génial, ils ont été vraiment serviables. Ils sont sympas, ils sont ouais, sympas. Tous c'est sûr, ça nous a tout déprogrammé, quoi. On a c'est tout décalé. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc là, logiquement, on a testé, branché sur secteur, on a laissé toutes les lumières allumées au camping-car, on a mis le chauffage et on a fait la machine à café, on a fait tourner la machine à café de 2000 watts. Donc sur secteur ça a marché. Après on s'est mis sur, on a débranché le secteur, on s'est mis sur convertisseur pour faire du 230 quoi. Et pareil, ça a marché aussi, il n'y a rien qui a disjoncté. Bon c'est sûr, après il ne faut pas faire la machine à café et le four micro-ondes en même temps. Quoi. Bah oui. Il faut qu'on alterne. Ouais. Mais bon, on le sait maintenant. Voilà, du coup maintenant voilà. On peut charger nos ordi voilà. En faisant du sauvage. Quoi. J'espère que ça va marcher maintenant. Hein. Et du coup, il avait reçu l'appareil que je voulais, ce qui me donne l'intensité des batteries. Parce qu'en fait, avec celui d'origine, vu qu'on a trop de puissance, ça ne passait pas. Donc, ils ont installé un Vitron, on fera voir l'appareil. Ça nous donne la charge instantanée. Le pourcentage. Le pourcentage, ça nous donne plein de valeurs. Quoi. Après, bon, je ne connais pas trop, mais il y a quelques trucs qui me tranquillise quoi, surtout de savoir le pourcentage de batterie qui me reste. Donc là on est plein. Là on part. Les batteries sont pleines. Ça y est. Donc il y a les 400 watts plein pot. Et là on part. Là, on descend. Donc là on démarre de Lugla-Primaube à côté de Rodez et voilà. Et là on descend. Ça y est, on prend la route. Parce que cette nuit a fait frais. Les ça amis. Cette nuit faisait moins de 2. Oh, le chauffage, j'ai bien marché, hein, c'était nickel. Hein. Donc on va aller un peu plus au chaud quand même, même s'ils annoncent aussi du temps un peu bise-bise. Hein. Oh, mais ça fait rien. Il fera moins froid qu'ici. Ici, cette nuit, il a fait moins 2 et ressenti moins 5. Moins 5. Il y avait une stalactite sur les côtés du camping-car. Ça m'a fait drôle. Hein. Et voilà, quoi. Voilà. Écoutez, là. On vous dit à bientôt. À bientôt. On vous tient au courant. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Bon, on va payer le péage de Millau. Hein. C'est loin le truc. 13,60 €. Alors on va prendre le pont du viaduc. Voilà. On va reprendre. Reprendre, ouais. On va vous montrer ça. Ah ben. Ah ben on voit le logo. Alors on a la solution. Il n'y a plus le reflet. On l'a trouvé. On y arrive à force. Hein. Quand on filmera, on mettra la serviette noire. Là, vous avez le pont du viaduc, là, juste là. Voilà. Bon, ça ne rappelle plus si on l'avait montré l'autre fois, mais bon. Ouais, je ne me rappelle pas. Mais bon, c'est pas grave. Oui, il est tellement beau. Quoi. C'est pas grave. En plus, on a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Bon, là, il fait 4 degrés. Il fait 4 degrés. Et là, ce matin, nous, on avait 0 hein, à Rodez. Il faisait froid. Hein, ce matin. Déjà, on a gagné 4 degrés. Ah, ouais. On va continuer à rouler. Il faudra que ça le prenne encore. Hé, 4 degrés.
entame la partie du viaduc. On est sur le poil. Regardez sur le côté droit. Là. Passer de ce côté au moins. Vas-y, je te lâche. Attention. Je suis passé au moins un peu bio. Évidemment. Ouais. On voit pas grand chose. Nous on le voit, mais c'est vrai qu'en filmant, c'est pas pareil. Peut-être qu'on le verra. On le voit pas. Peut-être que ça rendra, ouais, le filmant. Après, 13,60€, ça vaut le coup parce que si tu traverses au milieu. Après toute la montée, avec la consommation, je pense que le temps passé et la consommation, c'est qu'il fait beau et qu'il vaut mieux continuer tout. Bah oui, c'est bien. Parce que de toute manière, elle est gratuite de Clermont-Ferrand à Béziers. D'accord. Elle fait combien là? Le pont, je ne sais pas combien il fait de longueur. Il faudrait que je le regarde pas. Ça. Ouais. De longueur. Les amis, je vous filme là le cos du Larzac. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, c'est parfait. J'essaie de... C'est la région des brebis. Vous allez voir, c'est sec de chez sec. Là, vous avez les grands cédés. Découvrir ça en revenant et le temple bouddhiste. Oui. On ira voir le temple bouddhiste. Qui c'est tout dans le même, à peu près dans la même région. D'accord. Alors déjà, on vous fait voir ce qu'on connaît. Parce que bon, la région, on connaît, l'Aveyron, l'Hérault. Et bon. Et là, on descend vers l'Aveyron, vers l'Hérault. Vers l'Hérault. Voilà, on va partir vers les PO, Pyrénées orientales. C'est le fameux pas de l'escalade. Pas l'espelette comme j'ai dit à la fois. Pas de l'espelette. Je me suis trompée. C'est vrai que c'est chaud. Hein. C'est les portes de l'Hérault en venant de par la Sainte-Équine.
Non, 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 mais ça va, ça ne me dérangeait pas, ça. C'était ma caméra qui était... Regardez ces montagnes. Regardez ça. C'est joli, tous ces reliefs. Ouais. J'adore. Et puis ça laisse le soleil. Ah, il fait beau, là. C'est beau, là. Là, on est remonté, on est à 5. Ouais. Sainte-Devée, ça se sent, hein. Ça se sent. Sainte-Devée, mais bon, il y a du vent. J'ai les oreilles qui sont bouchées. Moi aussi. Ça l'a fait ? Ouais, moi aussi. Ah ouais ? Ah ouais. C'est parce qu'on descend ? Ouais, ouais, ouais. En fait. C'est joli, c'est bien. Mmh. Ah, il y a du soleil. Après un degré. Punaise. De chez nous qui faisait moins 2. Cette nuit, après en partant, il faisait 0. Hein. Mais... Moi, ce que j'aime, c'est ça. Après, voilà. C'est plus tard aussi. Moi, c'est ça que j'aime, c'est les montagnes. Ah, Doudou, elle aime la nature aussi. Ah oui. Oh, c'est tellement beau. Hein. C'est agréable. Là, normalement, il y a tout qui marche, donc on va pouvoir profiter. Enfin. Et faire profiter nos internautes. Eh oui. Tout le monde. Voilà. Rebonjour. Donc. Bon, c'est toujours aussi venté. Hein. Là, par contre, là, on est dans l'Aude. Hein. Beaucoup de vent, ouais. Ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup de vent. Mais bon, c'est joli, hein. Ça fait passer un peu. Bah, ben, là, t'as cruissant. Ben voilà, là, il y a cruissant. 800 000. Je sais pas, je vois pas avec le soleil si j'arrive à le prendre comme il faut. Le château là-bas, il est en ruine. Hein. Ouais. Je sais pas si on le voit bien. Tout à l'heure, avec Doudou, on disait qu'on aimerait tomber sur un poulet. Du poulet rôti, on a envie de manger. On a trois billets. Voilà, ça. Ouais. Je pense qu'à l'été, on doit en avoir de partout, là, mais là. Ça, tu sais où on en trouverait? À la boucherie. Ouais, mais voilà. Des fois, ils font des rôtisseries, tu sais. Ouais. Ouais, mais là, vu qu'il n'y a pas grand monde, je pense pas. En plein après-midi, enfin, c'est. Non, mais quand ça ouvre, peut-être, je sais pas. Donc là, on est. Joli hein, quand même, ça, ouais. Ça fait penser un peu à la Côte d'Azur. Ouais. Avec ses pins, tout ça. C'est vrai. C'est ça. Hop là. C'est très touristique, hein, ça fait très touristique. Hein. Comme Canet et tout ça. Ouais. Trame de monte. Ouais. Moi aussi, comme ça. Là, ouais, avec, ouais. C'est aménagé. Alors. Ah, il est joli le bois là. Voilà. L'ange des chalets. Ah. On va directos. On y va direct, ouais. Alors en fait, c'est les chalets. Alors attends. Dis-moi de vous. C'est les chalets de Grissol, c'est les chalets sur pilotis. Donc, si vous avez vu le film 37.2 avec Isabelle Adjani, vous comprendrez. C'est pas Isabelle. C'est pas Isabelle Adjani, c'est... Non, c'est une autre, je me rappelle pas. Non, je crois pas. Si, je crois que oui. Bon, bah, écoutez, vous verrez bien. Voilà, donc c'est des chalets montés sur pilotis. Donc, on va y aller. On va vous faire voir ça. Ça, c'est joli. Hein. Ah, mon cœur. Allez, on regarde, attends, Doudou, qu'on se plante pas. Ouais. Alors, attends. Alors, le port, à gauche. Là, j'ai un 80. Voilà. C'est ça. Sûr qu'il n'y en a que 4, là. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Hein. Ah.
Ça fait la grande monte et tout ça. Ouais, c'est pour ça que je suis ici. Ouais. Qui est touristique au bord de plage. Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de vent quand même. Hein. Non, tu crois? Je crois que les toutous, il va falloir mettre les ceintures, pas plus haut mais avec des plombs. Bon, moi, je m'envolerai pas, c'est sûr. Moi non plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est mal tombé avec mon dos. Des chalets. Alors, on y a mal, on va y arriver. Il n'y a rien de ce côté. Non, de ce côté, il n'y a rien. Là, mais toi qui fasses les concours de plage à voile et tout, là. Peut-être qu'on risque d'en avoir. Peut-être. Un peu là-haut. Oh là là, le pauvre en vélo. S'il a le vélo, il a le vent en face. Qui pédale à la mer. Que des bêtises. On va voir s'il dit bonjour. Non. Même pas bonjour. Même pas. Ça déconne. Je crois que je vais finir, je vais arrêter de dire bonjour. C'est l'impolitesse. Non, c'est pas des nouveaux, hein, c'est l'ancien. Hein. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. Non, mais ça fait râler quand même. Ça fait rien. Ça fait râler. Hein. Ça fait rien. Bon, on va se dire, c'est les nouveaux qui arrivent qui disent pas bonjour. Ouais. Bon. On va y arriver là. T'as pas le sel, t'as pas le fils. Bon, les bébés, ils veulent sortir, ils ont envie de courir. Ils en ont marre. Maman lit. J'en ai marre, moi, maman. En plus, quelle heure il est? J'allais dire, c'est l'heure du goûter, non? Non, c'est 14h45, c'est papa. Ouais. Ça fait rien, il n'y a pas d'heure pour le goûter. Ah, les petits chalets. Ce matin, j'ai acheté des petits trucs avec des petits de chocolat. Oui, pour maman. À Lidl, là. Je pense qu'ils sont bons avec un café. Surtout que maintenant, on peut faire 220. Ouais, c'est génial, ça. C'est réparé, c'est grâce à ça qu'on a pu repartir aujourd'hui, hein. On ne pouvait pas. Ouais, on le sentait mal. Hein. Oh. On le sentait mal, la vérité. Attention, ça va sauter. Oh, les jouets, il y a dedans. Hein. On va pas mélanger les tasses avec les verres. Ça fait des ordres. Ouais, on y arrive, ma fille. On y arrive quand même. Hein. Ça va. Ça va. Bon, c'est le vent. C'est le vent. Il fait meilleur que ce matin, mais je pense qu'avec le vent. C'est le vent. Ça doit être égal avec du zéro, quoi. Ouais. Ça me. On sortira le gros blouson. Et oui. Ah, je vous montre un petit peu la plage. Kilomètres à des kilomètres. Aide de stationnement réservé au camping-car. Ah, si je vais tout droit, alors. Fermeture. C'est pas grave. Allez. Plop, plop, plop. Ah, ben il y en a là-bas. Il y en a là. On prend ce gars qui est là. Ouais, ouais. Alors voilà les chalets. Alors voilà les fameux chalets Le Bruissant du film 37.2. Je crois que dans les plus petits, il y en a pour 180 000 euros. Hein, c'est un peu. Je crois, ouais. Ouais, ouais. C'est chaud quand même. Ouais. Après, hop. Il y en a partout, hein. Je sais pas combien il y en a. Combien après, il y en a. On va faire le bord de mer un peu. Ouais. Et après, on va rentrer à l'intérieur. Ça marche. Et on va regarder là, pour voir. Par où ils sont passés? Et comment ils ont fait pour passer? Ils sont passés de l'autre côté là, tu les vois? Ah ouais. C'est par là, par le restaurant, on dirait. On ira à l'entrée là-bas. Ouais, parce que 2 mètres là-bas, il vaut plus de 2 mètres quand même. La vigne du vent. À louer, ben. Là, celui-là, il est tout droit là. Voilà. C'est là où elle est. Je vais laisser un peu la lumière. Non, mais on les voit bien, t'inquiète pas. On sent.
stylé. Hein. Ah ouais. Bon, l'été, ça doit être noir de monde. T'as une voiture, là, parfait. Oh, le vent qui arrête. Ça souffle, là. Hein. Malheureux. Voilà, si tu veux manger du sable, là. Oh, papa, papa. Voilà, tu vas pouvoir voir la plage. Monte au maximum, papy. Ah ouais, ouais, ouais. On le voit, on le voit. Regardez ça. Comme ça, la caméra, ça va bien. Hop. De toute manière, le stabilisateur, même ouais. Si tu bouges, elle va rattraper. Oh ouais, non, mais pour moi, c'est pour fait pour. Ah, plutôt moi. Ouais. Ah, vous soulagez de dos. Soulagez le bras. On voit bien hein, la plage. Bon, c'est joli, hein, mais à part ouais. Te garer à l'entrée. Non, je pense qu'il doit y avoir des places. Bon, l'été, honnêtement, avec un vélo et tout, tu viens un peu à la Robinson. Hein. C'est joli, moi je trouve. Ils sont modernes. Il n'y a que le vent qui. Et c'est stylé avec les chalets là. Ouais. Et nous, quand on était allé, il y avait les chalets en réparation. Ah oui. Ils sont tous différents, tu vois. Tous ils apportent un petit truc en plus. Bon, il y en a, avoir, je sais pas, 200 ou 300, non? Je sais pas. On regarde sur le site. Ouais, je regarderai sur le site. Ah, dans la rambarde, en fait, hein. Le soleil, là, c'est joli. Voilà, c'est joli, joli. Allez. On va pas faire jusqu'au bout, là, c'est là. On va couper dedans. Là, tu coupes, tu, te... ouais, tu rentres dans l'intérieur. On rentre à l'intérieur. Ouais. On va se retourner au début, là-bas, parce qu'on dirait. Ouais, voilà, parce qu'il n'y a pas de place, là. Ouais, ouais. Je pense pas que tu peux t'y mettre. Les pilotis. Il y en a des crânes, hein. Le piège de chalet. Ouais, c'est sûr qu'en bois, là, comme ça, ah, c'est pas les mêmes, là. Là, c'est en bois, ouais, ouais. Ça, c'est là, avec le bois fouté. C'est joli. C'est Rancho Grande. C'était quand le marché, ici? On n'a pas regardé sur le site. Là, tu fais marcher, tu fais faillite, hein, parce qu'il n'y a personne. Tu vas avoir trois peu bien. Et deux tendus. Bon, c'est pas ici qu'on va trouver le poulet rôti, hein. Pas au mois de janvier, en tout cas. Je pense pas, non. Ben là, c'est mon. Regardez, je vous montre là. Un GPS qui montre là qu'il y a un parking pour les camping-cars. Ouais, c'est là. Allez, on l'a trouvé. Ça y est. On a trouvé l'accès. Ouais, c'est là, tu vois. Nickel. C'est bien, ma vanne. C'est bien, le copilote. Copilote, nickel. Nickel. Face à la mer. Il faut que tu fasses dans la taille. Hein. Je ne crois pas que je vais faire la taille avec le camping-car. Non, il ne faut pas y coller, une œuvre. Et on va regarder la météo si demain ça se calme. Ça serait bien. Bon, ben là maintenant tu te mets où tu veux. Oh, les gros sujets. Alors attends, je vais regarder un peu plus là, à l'abri. Ça va être un poids lourd. Ouais. Ah, je suis sûr. Ouais. Donc maintenant, là il faudrait que tu sois. Je me mets là-bas aussi. Là-bas, non, pour les chiens. Ouais, plutôt, parce que comme ça, ouais, ils peuvent courir là. Il y a de l'eau. Ouais. Eux, ça va être les premiers à les se mettre dans l'eau. Ouais, ouais. Pour nos bébés. Allez, bébé. On y est arrivé. Ça y est, maman. Oh. Le proviseur, il tremble. Ou il est content ou il a peur. Que c'est ça. On va mettre le dos, hein. Allez. Pendant moins ouais, de c'est mieux, c'est hein mieux. La porte, elle est là. Hein. Pas saisie. Hein. Je vais me mettre un peu au travers. Ouais, et oh, au soleil, parce que là, on est à l'ombre. Hein. Ouais, mais le soleil tourne. Là, c'est... De toute manière, avec ce qu'on a roulé, là, on est plein. Hein.
Non, mais c'est pas. Ah, tu voulais un peu plus par l'avant. Un peu plus. Allez, on y va. On y va, plus par l'avant. Un peu plus au soleil. C'est-à-dire, on a le choix. Oh, il y a la place quand même. Hein. Et oui, il y a la place au dos. Ouais. Hé, Doudou, t'as pris le parachute? Oh là là. Non, mais là, c'est un peu trop, là. Hé, mon tic, tu t'envoles pas, mon chien. Hé, mon titou. C'est la tempête. Regardez ça. On voit les geeks, hein. Et Doudou, ça va mieux ton dos, que tu t'es coincé le dos? Non. Non? Non. Avec le corset, ça va, mais si j'enlève le corset, ah ouais. Je me bloque de nouveau. Bon. On est calé face à la plage, hein. On le voit là. Face à la mer. Alors, le vent qu'il y a, c'est un vent de fou, hein. Ben, parlant de fou, je crois que c'est, non, il n'y a pas un peu folle dingue. Oh, on dirait, comment ça bouge, on dirait dans un bateau. Voilà, bon, on a préparé le, pour le goûter, là. Le goûter. Là. Oh, Doudou, eh, mange pas mon morceau. Non, 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 il est là. Je te vois venir. Il est là. Tiens, Doudou. Merci. Tiens. Voilà. Merci, chérie. Bon, moi, je le mets là, parce que, en fait, je vais regarder la météo, là. Ok. Je vais regarder la météo. Hop là. Moi, on va voir. Je vais regarder la météo, que... Ah, mais j'ai pas mis internet, hein, putain. Putain, il fait que des conneries. Bon, je vois pas après, hein. Toutou. Vas-y. On s'en va, on est parti parce qu'il y a trop de vent, hein. Vraiment, ça soulève le camping-car et tout, hein. Ça soulève. Non, non, ça non, le non. Fait bouger, ça le soulève non, pas. Non, 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 non. Non, non. J'ai trop peur. Jack, il m'a dit, faut partir. Bon, du coup, on reprend la route vers l'Espagne. Hein. On va directement. On s'arrêtera dès qu'on trouve un petit voilà. Truc, on s'arrête et voilà. C'est le mieux. Ça ne dérange pas de rouler aujourd'hui, vu que, avec le retard qu'on avait pris de quand on était remonté dans l'Aveyron. Ouais, c'est pas grave. De plus, c'est pas grave. Donc, tu vois, de rouler un peu plus, ça va nous faire avancer. Voilà. Non, mais je ne sais pas si vous entendez. Oh, on a perdu l'habitude hein, du van. Ouais, ben, là c'est énorme. Non mais ça souffle parce que le camping-car est dans tous les sens. Et les hublots on voit que qu'ils claquent. Ouais non. Faut que ça nous arrache quelque chose. Hein. Bon normalement c'est conçu pour hein, ça va pas s'arracher. Mais avec ce qui nous arrive en ce moment, c'est bon hein. Ben, disons qu'on était obligé. Il y en a assez, hein. On était obligé de se garer à l'envers. Parce que la partie froide, c'est là-bas. Ouais. Donc avec le vent qui vient de derrière, mais les hublots, je pense qu'ils sont faits pour prendre le vent de face. Et ouais. Pas de derrière. Tu vas où? Alors, attends. Non, pas au centre-ville, ici. Si, non. Ah bon, mais vas-y. Alors, vas-y, de... vas-y. Ouais. Ah, interdiction pour les bus et 3,5. Moi, je serais toi, je m'aventurerais pas. Bon, ben bon. Bon, je t'écoute de nouveau. Des fois j'ai raison, des fois j'ai pas raison. Ouais, des fois. Tu dis des fois. Oh, c'est dégueulasse. Allez, à moment. Allez, accrochez-vous. Non, mais on y va cool. Non, mais c'est vrai que bon, du coup, tu peux pas profiter parce que tu peux pas aller sur la plage. Hein. Même les filles, ils avaient peur. T'as vu. Et Kiki, il a une option de te clignotant. Sans déconner. Hein. Faut que je kilomètre. C'est... Là, on peut les ampoules. Oh. Je crois que tu vas te dire quelque chose. Allez, tranquille. Tranquille. Ah, il n'a pas reconnu son habitat. Il s'est trompé. Punaise. Ça décoiffe hein, quand même hein.
Une râle, l'été, ça doit ventiler. Punaise. Au moins, tu sens la fraîcheur, tu vois, tu vas avoir le vent. Alors, papa, il fait comme la conversation pour le GPL. Thank you.